J'entends. Enfin cette recette, enfin cette recette que vous m'avez demandé depuis. Bon ben voilà. Sachez que le fruit jamier est vraiment facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais si vous en mettez, n'hésitez vraiment pas à venir battre derrière. Pas avec un fouet, mais avec la main. Ce sera l'idéal. Et sachez aussi que c'est très difficile de faire du momi sans la friteuse de momi. C'est-à-dire sans le faga. Oh my god. Je l'ai fait façon crêpe. Et je vous invite vivement, mais vivement, à faire pareil. Et n'hésitez vraiment pas à mettre plus de pâte pour que la couche soit épaisse, pas vraiment fine comme ça. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire comme astuce. Et moi, j'ai hâte de rompre ce genre pour pouvoir me régaler avec du lait en poudre et du sucre. Si vous voulez faire comme moi, allez-y. Sinon, faites une petite sauce de pied de veau ou un truc comme ça, ou de tête de veau. Si vous ne connaissez pas, merci. C'est super bon avec. À bientôt mes chatons.